Eh bien salut à tous les amis, c'est CyberCoro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire une URF. Je pense que ça peut être cool de vous montrer ce mode de jeu. Donc on va faire une petite URF, voilà, parce que je pense que c'est plus rigolo. On se retrouve du coup après dans le chargement de la game. Voilà, vous voyez qu'on dirait que j'ai trouvé un match. On se retrouve après l'intro, ciao tout le monde. Eh bien, les amis, du coup, on se retrouve dans le chargement de la game. Effectivement, c'était pour le temps d'analyser la composition ennemie et notre composition à nous. Alors, du coup, nous, on va jouer Nautilus pour cette game. En face, on a un Physiazuo Talon, Gnar, Wukong. Je pense que ça peut être un c'est intéressant du coup de partir full armure. Ça peut être intéressant parce que le seul qui peut faire des dégâts magiques c'est Fizz. Alors peut-être privilégier d'abord l'armure. On verra de toute façon contre qui on tombe en lane. Et nous de notre côté on a Annie qui vient de se faire buffer. Si je ne m'abuse. Et donc ça peut être pas mal fort. Pas mal puissant. On va commencer bouclier de Doran. Hop et hop. On commence au grab. On sait jamais. Des fois qu'on fasse des kills. En fait, le problème c'est que là on a deux AFK. Et c'est vraiment pas good. Pour les débuts des games en Urf. Parce que tout le monde est en 5v5 au PvP. Sauf que si on a que 3. Ça va être compliqué de vous. Ok, le grab qu'a loupé. Est-ce que si on touche. Voilà, impeccable. Premier sang. On continue. Encore. Voilà, nickel. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Impeccable. Et je suis même pas mort. Voilà, ça c'est vraiment cool. Vraiment chouette. C'est vraiment très très bien. Alors. On va partir sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on va partir? En vrai, je partirais bien sur un cuirassier ou un gantelet. On verra ça plus tard. Donc on est contre Yasuo, Wukong. Hop. Hop. Alors lui, on va pouvoir du coup spammer nos sorts comme un retard. Et ça, c'est assez drôle. Impeccable. Ok. Nickel. Hop. Je vais prendre les cookies. Bon, c'est vrai que j'ai pris cookies, c'est peut-être pas optimisé en mieux. Puisque ça nous rapporte très peu de points de vie par rapport au mana que ça rapporte. Hop. Boum. Ok, let's go. Ouais, du coup, Yasuo va avoir souvent son mi. Ça peut être un problème. Mais en vrai, on a l'air de plutôt bien gérer. C'était sûr. Ça lui fait claquer son rôle. Son jeu, il revient pas tout le temps non plus. Ouais. Là, je pensais que la MF, elle allait pouvoir me suivre sur Yasuo. Tant pis. Tant pis. Ouais, on va aller le tuer, mais... Un ennemi a été tué. Un allié a été alors... Ouais, je pense qu'en vrai, gantelet, ça peut être cool.
Ça nous fait prendre un peu de dégâts et en même temps ça nous fait prendre de l'armure. Ça peut être pas mal. Ok. Parti là-dessus. Et surtout on va avoir un avantage de pouvoir sur. Ça c'est pas trop mal. Hop. Je pense que même l'astuce ça peut être de grab un sbire pour pouvoir le stun. Ça peut être quelque chose de pas trop mal. Ok, c'est pas trop mal. Je pense qu'on gère plutôt bien en fait là en top lane. Ça peut être cool. Ça peut être plutôt good. Ok. Voilà, je vais vous faire un petit tour tranquillement. Parce que c'est rigolo. Et oui, effectivement, la sortie de World Legacy qui a pas mal chamboulé, on va dire, mon planning en termes de vidéos. Donc, je dirais que je vous la fais un peu vite fait. Je savais pas trop sur quoi la faire, donc voilà. Mais bon, bah, j'aime beaucoup le jeu World Legacy. Malheureusement, pour l'instant, quelques soucis avec. Ok, j'ai plus l'ignite. Est-ce que ça va suffire à tuer? Ah, ça c'est un peu dommage. On ne tue pas. On ne tue point là-dessus. C'est pas grave, les amis. On va se rattraper. Ce qu'il me faut, c'est des bots. Ok, là, Annie. Annie qui tue Wukong. C'est pas trop mal. Hop. Hop. Ok, nous en fait on fait vachement peur à Yasuo. C'est le principal. Ah, la Miss Fortune, il faut qu'elle vienne m'aider par contre, ça va être difficile si elle vient pas m'aider. MF. Hop! On informe notre allié qu'effectivement ce serait plus fort s'il nous suivait sur les moves. Hop, tac, tac. Ouais, j'ai vendu les cookies et hop, on achète le gantelet. On achètera les bottes juste après. Je vais acheter les bottes plus tôt, on va dire, mais du coup là, on peut acheter le gantelet. Je pense que le gantelet est plus fort. Largement, je dirais. Hop, boum. Let's go. On tue. Prends la plate. Je crois que je l'ai solo la plate. Ce qui est pas trop mal. Ah, Miss Fortune, faut qu'elle suive, hein. Qu'elle suive, c'est dommage. Moi, je pense que c'est dommage. On pouvait la tuer, je pense. Dommage, MS ne suit pas là-dessus. On va prendre de l'armure, hein, parce que là, vraiment, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Hein, vraiment de l'armure. On va faire. On va faire la. 1, 2, 3, 4. L'armure roncière. Voilà, la côte épineuse. Et qui se fait avec l'armure roncière, donc j'avais pas de peur en soi. Mais ouais, je pense qu'il faut se faire ça. Après, ils ont mis fils sur nous. Ça peut se comprendre. Après, MF, elle joue quoi? MF, elle joue AD. Yeah. La technique est la double ward. Hein. Pour une bonne technique. Ah, il est esquivé avec son E. Puis c'est trop fort juste pour ça. C'est détestable à souhait, comme on dit. Comme on dit en Bretagne. Du coup, en vrai, je pense.
Je pense faire Lito. Lito, ça peut être pas mal. C'est du coup comme ils ont trade le Fizz et le Yasuo. Ça peut être mieux du coup de faire Lito maintenant que de faire Lito après. En somme. Alors. C'est MF qui doit prendre les kills, mais. Pique les yeux le gameplay de MF. Un peu. Tac, tac. Ok, je pense que. On va mettre une petite ward ici. L'avantage de la Urf, c'est que ça dure moins longtemps. Ouais. C'est un peu délicat ce qui se passe. Vraiment délicat. Il faut que la nuit prend sa bécane, c'est cool. Un ennemi a été tué. Ah, elle l'a tué, ok. Je décalais pour la suivre. Mais si elle l'a tue, c'est bien aussi. Déjà plus de plate. On a pu en prendre qu'une seule. Un peu dommage, j'ai envie de dire. Ça reste raisonnable. On a pris au moins une. Bon, bah alors là, il y avait du monde. Hein. Alors là, il y avait du monde. J'essaye de partir sur un stuff tanky, mais ouais, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Après je me fais arracher un peu les fesses par tout le monde. Après il y a 5 kills, 4 kills. Pour l'instant ça a été nos seuls adversaires. Je suis un peu mort beaucoup quand même, en vrai c'est ça aussi. Je meurs beaucoup parce que je trust la Miss Fortune, sauf que la Miss Fortune elle me suit pas vraiment. Ouais il décale. Sur le dragonnet. Ok, il y a le talon. Ok. Ici on tue. On tue le Yazagi. Pour éviter qu'il push trop. Hop. Bim. Let's go, on récupère. On va back. On a le litro. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Je ferais bien une. Je ferais bien du coup la côte épineuse maintenant. Hop. Tac. Let's go. Et... acceptable, j'ai envie de dire, acceptable. Hop. On puisse prendre au moins une tourelle. On n'a pas de tourelle. Ah ouais. Non, non, bah on se fait... J'ai pas pensé au Lito. J'ai pas pensé au Lito, c'est my bad.
Alors, je pense que la game est assez complexe. Je sais pas si on peut trop faire quelque chose. Toute la ligne ça push un peu. Ouais. Je pense qu'il va falloir défendre mid lane. Et ça met 21 secondes à la reproc. Ça va en vrai, c'est assez court. Je pense qu'il y a un Drake à les récupérer. Excusez-moi. Alors, tac. Le Drake. Donc on perd pas de HP en vrai. Grâce au Z qui revient toutes les deux secondes. On ne perd aucun HP. Oh oui, je fais du spamming de touche, mais bon. On y arrive. Il y a moins de mid HP. Ok, la Miss Fortune qui vient nous aider à récupérer le dragon. Voilà. On va pas plus sauver Yasuo. Enfin, la Annie, pardon. Puis la sauver du Yasuo. Plutôt ça, la phrase exacte. Hop, hop. On achète les items. Alors. Qui est bien chez nous? On a la Annie qui est bien. La MF qui commence à être bien, la Lulu, ok. Après, Kogmo Lulu, c'est très très fort en temps normal, alors en mur, ça peut être vraiment cool. Non, on ne surène pas, les gars, on ne surène pas. Hop, alors. Après, on a les Drake, ils en ont pas du tout. Il suffit qu'il fasse un achat pour nous mettre dans le mal. On va essayer de défendre le top lane. Ouais, my bad. Ils sont étalés. Ah, ils ont fait le nashor, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Ils devaient faire le nashor pour gagner. Ils l'ont fait. Je pense que maintenant ça va être compliqué de revenir dans les games. Ok. On ferait une force de la nature ensuite. Histoire de tanker un peu physique. Je pile la Annie comme je peux. C'est même le Kogmo que j'ai pile aussi. Ça, je n'avais pas vu. Ok, c'est bien ça, ils ont bien pushé top.
Ok, on prend l'inhib là aussi. Pas mal. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire là-dessus? Ça pourrait être pas trop mal. Ok, là, Nice, ok, ça fait le travail. Ça dit quoi ici? Ça meurt. Ça double meurt. Yasuo, peut-être. Ah ouais, non, là, MF qui tire dans le mur. C'est pas foufou. Là, Nikki, ok. Là, Nikki veut faire le travail. C'est pas trop mal. Nous, dans notre force de nature, on en est. On en est là, on en est là. Ok. Alors. On a 20 minutes de game, à peu près. Après, je pense qu'on partira sur... Peut-être... je pourrais peut-être dû partir sur ça, finalement. Masque abyssal. Ouais, non, masque abyssal, c'est un peu... Tac. On sauve la Annie, le plus important là. Le Fizz. Le Fizz qui harcèle les gens. Pas très très bien. Il y a le talon là-haut, faut aller s'en occuper. On a réussi à plutôt bien défendre. Et eux ont du mal à attaquer. Alors que nous, on a réussi à un bon push en prenant deux inhibes là tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ouais, une petite Warmog, hein. Warmog, ça peut être sympathique. On a déjà 300 d'armure, 221 de RM. Ça peut être pas dégueu. Ok, ils ont chopé les deux drakes de feu, c'est pas intéressant pour nous, ça. C'est un peu embêtant. On a plus le droit de dire de gros mots sur YouTube. Hop. Ah bah ça, c'était sûr que c'était lui. Le seul qui me fait vraiment très très mal. On arrive en mid lane. En fait, ils ont besoin de mon peel, ils peuvent pas faire sans. Ouais. Ouais, ouais. Bah après, c'est des bons champions, hein, j'ai envie de dire. Dommage en vrai, parce que là ce qui nous plombe c'est le fait du Fizz et du Yasuo qui nous mettent très très mal. Le Wukong aussi joue bien, un peu dommage. On est reparti dans la mélasse. Ok, ils ont pris deux inhibs aussi. Les siens, leur ont réapparu. Je veux dire le sien, mais on ne connaît personne en face. Ok. Là, par contre, je savais pas que le Z de talon proqué, enfin, la Warmog,
comment dire, pas la Warmog, mais l'Hydre Vorace. Excusez-moi, j'ai du mal à parler ce soir. Hein. Un peu compliqué, mais... Mais que l'Hydre Vorace croquait sur le Z de Talon, ça je ne m'étais pas. Je pense qu'effectivement, faut le prendre, sinon je pense que c'est un peu bouge. Après, c'est dur de prendre là maintenant. Ok, ils ont pas pu faire proc le... Un ennemi est légendaire. Le monsieur... Ok. Pas back. Ok, ce monsieur là... Hop, on dépêche comme on peut. Qu'est-ce que c'est énervant, fils. Vous n'avez pas idée à quel point. On va éviter de mourir. Alors, où est-ce qu'on en est? Tolantonton. Et le talon. Le talon. Incroyable, on défend. On défend comme on peut. Compliquer tout ça. Hop. 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 La gros coup, le coup d'encre qui tue. Ok. Ok, ok. On est plutôt content de ça. Hop, on achète la Warmog. On achète l'élixir de fer. Ça nous rend plus tanky encore. Niveau 29. Donc on... Hop, tac. Ah, c'est insoutenable. Ok, là, Annie. J'avais pas vu, mais Annie qui a fait un bon move. Ok. Annie qui a push. Faut faire le break. Je pense que c'est l'un des seuls moments où on va pouvoir le faire. Ouais. Bah on peut même pas le faire parce que du coup ils sont déjà dessus. J'hésite un peu. Ah bah je peux essayer de tanker, mais là il y avait quand même 5 personnes, hein. C'était compliqué. Je pense que c'est le GG pour eux. Je pense qu'ils finissent la game là-dessus, c'est dommage. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Oh, c'est même Yasuo qui tank. J'ai pas fait gaffe au stuff de Yasuo, mais c'est pas normal d'avoir autant de vie. Ok, et bah les amis, j'espère que cette vidéo en mur vous aura plu.
Voilà, c'est la petite urf, ça fait toujours plaisir, moi je trouve. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ah, hop, je vous remets voilà, la petite scène, excusez-moi. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Ciao tout le monde, c'était Cyber.